Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à François Leclerc, que j'avais rencontré il y a quelques semaines pour une question vive sur la robustesse économique de la métropole francilienne. Là, il s'agit de restituer en une quinzaine de minutes et quelques slides voilà, les fruits de vos réflexions, de vos travaux dans le cadre de l'atelier international du Grand Paris, François Leclerc. Alors, un micro et peut-être le... La petite boîte, voilà, vous l'avez, aussi, il suffit d'appuyer, aussi. Voilà. Non, on a travaillé tous ensemble, c'est-à-dire avec Daniel, avec Pierre-Alain et avec Yves, on a travaillé sur cette notion d'économie métropolitaine dans tous ces États. C'était l'objet du grand séminaire, non, du séminaire et de la question vive. On a travaillé là-dessus et ensuite on a réfléchi chacun sur des territoires démonstrateurs. Pour nous, l'idée de cette nouvelle économie métropolitaine qui s'invente quotidiennement, celle que vous voyez, on en parle beaucoup, ça bouge sous nos yeux en permanence. C'est une mutation permanente dans tous les domaines d'activité, que ce soit bien sûr l'activité tertiaire habituelle, mais aussi par rapport à l'industrie, par rapport à l'agriculture, la sylviculture dont on parlera tout à l'heure. Et tout ça s'est porté par de nouveaux modes de vie, de nouveaux désirs de consommer, de faire un peu différemment. Donc dans ce cadre, nous, on a regardé deux territoires précis qui sont la défense d'un côté, on a regardé des grosses machines, la défense d'un côté et la partie qu'on appelle Grand Paris Nord-Est, donc, qui va grosso modo de Paris-Bourget jusqu'à Roissy, qui sont des héritages considérables des années 60-70. Donc c'est ce patrimoine moderne qui va nous intéresser au premier plan. Mais avant tout, pour parler de tout ça, il faut déjà faire, de notre point de vue, une sorte de retour sur une actualité ou sur une histoire récente, c'est-à-dire qui va montrer une distorsion entre ce monde réel qui n'est plus dans la science-fiction, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer, et puis la fabrication officielle de la métropole telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Donc je vais parler de ça parce que cette histoire sur laquelle j'irai assez vite, ça montre ce qu'on appelle le legs blanc, cet héritage un peu riche qui est celui d'un grand 8 et de 7 clusters. Les 7 clusters, donc c'était une action très forte de l'État, colbertiste on va dire, qui était marquée par ce transport qui n'avait que 40 gares et ensuite qui desservait des clusters qui devaient avoir une lisibilité mondiale et être plutôt en complémentarité qu'en concurrence. On sait ce qui s'est passé, ces 40 gares sont passées à 72, il y a eu la fin de la période blanc, ensuite d'autres personnes sont arrivées pour gérer ça de manière sans doute plus démocratique et donc on est passé à une autre forme, un autre format et finalement les clusters ont disparu au fur et à mesure pour laisser la place à des CDT. Je parle de cette histoire récente de ces CDT parce que effectivement, ils ont porté certaines parties de cet héritage, qui était plutôt de l'affichage par rapport à leur spécialisation. Et ensuite, chacun s'est inventé sa programmation, bien sûr en négociation avec l'État, mais chacun s'est inventé sa programmation. Cette programmation, on a regardé pour des raisons de maires qui voulaient faire selon leurs désirs, leurs envies, ils ont donné une certaine priorité à l'économie. Donc on est arrivé à ce moment-là, à voir ce que vous voyez là, c'est-à-dire en gris clair ce qui se passe du point de vue du tertiaire, on arrivait à un chiffre invraisemblable de 11 millions, c'est le cas actuel, c'est l'histoire actuelle, de 11 millions de mètres carrés de bureaux programmés dans les CDT. Et que quand je parle des CDT, je ne parle pas du reste de l'Île-de-France ni de Paris. Juste pour mémoire, le parc est de 52 millions en Île-de-France de mètres carrés de bureaux et 500 000 mètres carrés construits par an à peu près. Donc ce récit économique du Grand Paris s'est focalisé précisément sur le tertiaire, excluant à peu près tout le reste. On parle très peu et du tourisme, de l'agriculture et de l'industrie, tout ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc on est vraiment dans un récit très, très monothématique.
Voilà, donc c'est la manière dont est en train de se faire le Grand Paris. Donc en plus ça, il y a des lieux qui trouvent une focalisation considérable par rapport à cette notion de projet. Alors c'est une notion de rattrapage sans doute assez souhaitable. Par exemple, c'est tout ce qui se passe dans ce grand fuseau nord-est qui va de Paris jusqu'à Roissy, où il y a entre l'industrie, entre l'économie, entre le reste, il y a 15 millions de projets programmés, mais pas uniquement dans le bureau. Donc on a des territoires de conquête considérables. Alors je vais pas m'attarder sur des cartes un peu trop précises qui montrent effectivement la réalité de l'économie actuelle, c'est-à-dire que ce Grand Paris Nord-Est est marqué surtout par de l'activité actuellement, très peu de bureaux, sauf très récemment. Donc effectivement c'est considéré comme un territoire de conquête, un juste rattrapage si on peut voir ça comme ça. Donc ici ça correspond effectivement à ce parachutage d'activités tertiaires qui s'installe sur cette partie CDT. Et donc, si vous voulez, de manière un peu caricaturale, le passage de cette clusterisation à ensuite un territoire un peu plus flou. Cet état de fait, effectivement, on prend aussi en compte la ligne 15, qui est très marquée par une sorte de concurrence de territoire très forte. Avant, on était, je vous dis, complémentaire. Maintenant, c'est plutôt une concurrence très forte entre différentes gares de la partie sud, les gares qui sont exposées, qui sont actuellement... Regardez, et ça correspond absolument pas aux nouvelles aspirations, c'est-à-dire des études qui ont été faites auprès d'étudiants de DESSEC, qui ont sans doute la vocation à devenir des décideurs, montrent qu'il n'y a absolument pas la même volonté, le même désir de travailler autant du point de vue des locaux, du point de vue des territoires. Donc on est dans une déconnexion totale, autant du point de vue de cette... du désir que même de cette complication du mètre carré. L'économie de l'innovation, on la connaît tous, même avec des parties un peu excessives et caricaturales. On voit ce qui est en train de se passer comme tendance lourde, entre autres dans les industries créatives qui sont un peu précurseurs. Ça se passe plus dans le centre de Paris, mais c'est en train d'exploser partout. On le voit. Tous les grands groupes, que ce soit Bouygues, Nexity ou d'autres, proposent maintenant des produits qui sont très, très décalés par rapport à ce qu'ils proposaient précédemment. Ils sont en train de réduire considérablement la nécessité de mètres carrés de bureaux. C'est-à-dire, c'est pas uniquement parce qu'il y a du télétravail ou des hôtels, etc., pour le travail. De coworking, c'est aussi parce que maintenant on est en train de calculer le nombre de mètres carrés ou le temps d'occupation du moindre bureau, donc tout ça va extrêmement, extrêmement vite. Donc il y a la théorie du trop-plein qui se fait jour, c'est-à-dire que c'est un territoire démonstrateur que Yves évoquera tout à l'heure, mais qui est absolument essentiel. C'est-à-dire on arrive finalement à un gisement de foncier différé, c'est-à-dire qu'en même temps ces bureaux vont continuer de se faire. Il y a une espèce d'appétit pour le bureau neuf de la part de toutes les sociétés qu'on ne va pas freiner. C'est-à-dire il va y avoir une friche, comme il y aura de la friche commerciale, il y a une friche tertiaire qui sera énorme. Donc ça veut dire effectivement que le problème du logement pourra trouver une porte à cet endroit-là, une possibilité d'exister à cet endroit-là. Donc je vais aller assez rapidement. En plus de ça, le choix des campus en Ile-de-France, ça veut dire qu'il y a des modes qui sont aussi des réalités, c'est-à-dire que la tour ne fait plus tellement rêver ou moins rêver, c'est-à-dire que ça correspond plus tellement à la théorie du projet dans l'entreprise, etc. Donc il y a une évolution absolument considérable qui est très déconnectée. Et en plus, ça, la concurrence entre territoires qui se fait jour montre effectivement cette notion de désir ou de plaisir que l'on peut avoir à aller dans un lieu, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'état actuel. Donc les territoires démonstrateurs... C'est Yves Lyon qui s'y colle ou... Non, je vais très vite, il me reste un peu de temps. Ouais. Non, je vais aller très vite, je vais parler de la défense peut-être assez rapidement. Je vais arrêter d'en parler statistiquement, mais c'était pour parler de ces deux territoires un peu extraordinaires. Je vais aller rapidement. Mais pour dire que dans le cas de la défense, on est dans une aventure qui continue, toujours actuellement dans le recherche le plus haut, le plus bizarre, le plus étonnant. Alors que la défense est un patrimoine. C'est François Schuiten, il faut rendre justice. Oui, c'est François Schuiten, pardon, je n'ai pas de me nommer. Mais c'est pour dire que le patrimoine de la défense est exceptionnel, est extraordinaire, et qu'il a un terreau incroyable entre son socle, son sous-sol, et puis cette strate de la dalle qui est très belle, légèrement ennuyeuse, mais
C'est l'idée que le socle des tours, qu'il y a la possibilité de transformer ce lieu de manière considérable. Il ne faut pas rejeter ce modèle-là, il faut au contraire l'accaparer de manière très forte. Je vais aller très vite dans les images qui montrent ça. L'autre gisement qui a été totalement nié par la conception de la Seine, sauf au tout début, c'est-à-dire que de la Défense, pardon, c'est la Seine. Qui est effectivement, Paola en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la Seine comme territoire de mise en relation, territoire commun, qui appartient à beaucoup plus que des fragments, et puis en même temps, comme la Défense appartient à un axe et qui trouve tout son modèle économique allant depuis le cœur de quartier, le cœur de Paris jusque-là, il appartient aussi à la Seine comme système global. Donc je vais vite. Pour parler aussi de cette ville aéroportuaire, qui est aussi ce patrimoine moderne, qui me fascine, et dans le patrimoine aussi, il y a ce patrimoine agricole. C'est-à-dire, c'est quand on regarde la tache grise de la métropole, on voit qu'il y a un doigt qui vient de manière naturelle dans le cœur de cette tache et qui correspond finalement au parc de la Courneuve. C'est-à-dire, le parc de la Courneuve, ça correspond à l'extrémité. Et au-dessus, il y a peut-être le Bourget, il y a d'autres choses à côté du Bourget, il y a les plaines agricoles qui se trouvent autour de Gonesse, etc. Et on a vraiment à cet endroit-là une sorte d'évidence agricole qui peut être considérée comme importante. Donc, je vais en parler très rapidement parce qu'en fait, ce matin, Sylvie en a parlé, Frédéric en a parlé. On a une possibilité de faire à cet endroit-là, en même temps, cette ville aéroportuaire, de dire qu'une métropole comme Paris ne peut pas être uniquement dans... J'aime beaucoup les small acts, etc., mais ça peut aussi avoir comme mission d'assumer le gros, le très très gros. C'est-à-dire que Roissy, il faut continuer cette aventure. C'est l'histoire du tourisme à une autre échelle que juste Paris Intramuros. C'est aussi l'idée qu'il y a des fonctions et des investissements considérables qui sont faits à travers le PIEX, à travers Villepinte, à travers ces grands lieux d'activité qui sont tout autour, y compris Europa City, mais qu'il faut replacer tout ça, reconjuguer tout ça avec effectivement le métro, la ligne 17. Frédéric Léonard en a encore parlé ce matin. Donc il y a beaucoup de choses à faire à cet endroit-là, et de dire que on n'en est qu'à la première couche actuellement, il faut mettre d'autres couches, c'est-à-dire les shopping malls et toutes ces histoires-là qui existent, il ne faut pas les nier totalement. Ça peut être aussi l'idée d'une transformation à travers de nouvelles usines, des nouvelles manières de travailler, comme l'autoroute est aussi un patrimoine exceptionnel qu'il faut considérer comme un lieu de transport différent. Je passe rapidement la parole à Yves pour parler de ça. Très bien. Non, moi je me suis posé la question de savoir s'il y avait une alternative immobilière à ce dilemme permanent bureau ou logement. Et j'ai interrogé quelques investisseurs pour savoir s'ils étaient capables de financer des immeubles dont ils ne connaîtraient pas la destination. Il se trouve que j'ai reçu un accueil plutôt favorable. Il doit y avoir donc un peu de bénéfices à faire dans ce contexte-là. Et au fond, on s'est rendu compte qu'on butait sur un problème tout simple de règlement, et c'est difficile de faire cette superposition entre de l'activité qui occuperait le rez-de-chaussée, le premier étage, le cinquième étage, le sixième étage, et puis qui soit viré de socle à des bâtiments d'habitation plus haut. C'est difficile de le faire au-delà de 28 mètres, pour des raisons de réglementation, bien sûr, dont je ne vous passe les détails. Mais par contre, interrogeant le plus de gens, on a rendez-vous demain avec apparemment le colonel qui s'occupe de donner un accord sur le sujet, le colonel des pompiers qui s'occupe de donner un accord sur le sujet. Je m'excuse d'être très pragmatique, mais réellement, cette histoire de mixité, de pas tout à fait savoir ce qu'on va faire, mais bâtir quand même, me semble être une hypothèse, en tous les cas, qu'on doit travailler en ce moment. C'est ce qu'on s'efforce de faire assidûment. Et je profite d'avoir le micro pour dire aussi une dernière chose, c'est que tous les gens qui s'intéressent à la question climatique et confirment, et je reviens sur Météo France et compagnie avec qui on a travaillé dans la première session du Grand Paris, confirment l'idée que 30% d'amplification permettrait de lutter très largement contre les îlots de chaleur. Et ça ne se fait pas, ça aurait pu commencer, ça ne se fait pas. Voilà. Il faut donc envisager de pouvoir le faire. Non, merci à tous les deux. On a bien compris l'approche qui consiste à composer aussi avec l'existant. Je pense que Madame Fernandez aurait aimé vous entendre puisqu'elle appelait de ses voeux une approche patrimoniale et vous venez de lâcher à plusieurs reprises le mot. Hein. Vous étiez là ce matin, François Leclerc, pour assister. Alors on poursuit le même exercice. Encore merci de vous y... Voilà, tout à fait.
Alors, avec Pierre-Alain Trévélo et Daniel Béard, juste une incise, c'est amusant de voir que vous avez entendu Pierre-Alain Trévélo et François Leclerc pour une intervention conjointe. Mais là, vous réintégrez votre équipe, vous vous associez à Daniel Béard pour nous restituer tous les deux les fruits de votre réflexion dans le cadre de l'atelier. Pierre-Alain, c'est vous qui commencez ? Oui, merci. C'est moi qui commence. Voilà. Alors nous, on a travaillé la question économique en essayant de se poser quelques questions un peu fondamentales qui seraient la relation entre l'économie et l'environnement. Pour faire le lien avec l'enjeu climatique, on s'est dit assez vite que la notion climatique était sans doute un peu trop limitée et que la question environnementale était beaucoup plus vaste et que le lien entre économie et environnement avait toujours été dans les villes tout à fait fondamental. Et d'ailleurs, l'effondrement d'un certain nombre de villes ou de civilisations urbaines est lié à l'inadéquation entre un système économique et un environnement, que ce soit par surexploitation de son environnement, que ce soit par rupture environnementale très lourde. Et donc, on s'est intéressé à la question d'un système robuste. Alors, robuste, on a réfléchi à ce terme, notamment en invitant Pierre Calame, qui dirige la Fondation pour le Progrès de l'Homme et qui nous a appris un certain nombre de choses, notamment lorsqu'il parle d'économie, O-E dans l'eau, économie, à la place de économie, la différence qu'il fait étant qu'il revient à la source de ce terme-là, celle qu'utilisait Diderot dans son dictionnaire, et revenant au terme grec, oikos, qui veut dire le foyer, et nomos, les règles. Donc l'idée que... oui, c'est Pierre Calame. Hein, et l'idée que l'économie serait donc la bonne organisation, la bonne gestion de notre foyer commun, de notre maison à nous tous, qui est la planète. Et on remettait cette image qu'on a présentée lors du séminaire, qui est cette petite ville Calama, qui est au Chili et qui produit 8% du cuivre mondial, et dans lequel cette économie extrêmement florissante, où les gens sont beaucoup mieux payés qu'ailleurs au Chili, produit une sorte de tsunami social, puisqu'il y a une inadéquation là aussi totale entre les modes de vie, l'environnement et l'économie. Et donc cette insatisfaction des gens produit en fait quelque chose qui est de l'ordre de l'anti-durabilité, l'anti-robustesse. Donc ce qui nous a intéressé, c'est de savoir quelles étaient les conditions, les qualités que l'on devait essayer de faire advenir dans un système économique pour justement qu'il fonctionne en système, qu'il ne soit pas simplement quelque chose dans lequel une économie est pensée indépendamment des autres, une filière ou une ligne économique, et dans laquelle on va chercher à obtenir le maximum de son efficacité indépendamment du reste du système auquel elle est censée appartenir. Donc on a listé un certain nombre de ces qualités que je ne vais pas détailler ici, mais peut-être celle qui rejoint ou qui regroupe les autres ou qui fait fonctionner les autres ensemble, plutôt, c'est l'interaction. Je vais y revenir après, c'est la notion d'interaction économique et d'interaction territoriale. Alors je vais passer la parole à Daniel qui va expliquer les premières réflexions qu'on a eues de scénarisation et de stratégie économique. Oui, bonjour. Quelques mots sur le raisonnement global qu'on a tenu à l'échelle de la métropole et ensuite on zoomera sur un certain nombre de territoires démonstrateurs. D'abord pour rappeler que si on s'est attaché à cette question de l'économie pour traiter de la robustesse métropolitaine, c'est bien parce que quand on regarde rétrospectivement, historiquement, l'ensemble des projets successifs d'aménagement de l'Île-de-France ont toujours eu pour ressort le développement économique. C'est cette question du développement économique qui est le facteur premier des grands projets d'aménagement. On a tendance à penser Haussmann, la restructuration de Paris, les villes nouvelles, aujourd'hui en effet le métro. Et en fait, derrière ces objets d'aménagement, il y a des intentions économiques. Et pour prendre les deux dernières, rappelez que
Le modèle de l'ouvrier, c'est fondamentalement un modèle, comme il le disait lui-même, anti-Jean-François Gravier, hein, de développement de la région parisienne et de développement de la région parisienne dans un contexte particulier qui est celui du modèle fordiste. Et donc, c'est comment on organise spatialement l'aménagement, c'est ça. C'est comment on organise spatialement le modèle fordiste et notamment l'organisation de la massivité et de l'unité du marché du travail à l'échelle de la région parisienne. Et le modèle dont François parlait tout à l'heure, de Christian Blanc, bah, tout bêtement, le ressort là aussi. Et il l'a bien dit, hein, Christian Blanc, il s'est occupé de la région parisienne parce qu'il s'occupait d'abord du développement de la France. Et le développement de la France appliqué à la région parisienne, c'est le modèle des clusters. Et le modèle des clusters, c'est quelle logique d'aménagement dans une conception du développement économique qui est une conception post-fordiste, où justement, on ne s'occupe plus, je dirais, de l'ensemble des marchés du travail, mais on s'occupe de ce qui va faire l'ajustement d'excellence entre hein, les qualifications supérieures, l'innovation, etc., d'où le premier schéma qu'a présenté François, de quelques clusters spécialisés, organisés autour des grandes portes métropolitaines que sont Orly et Roissy. Et donc, il nous semble que derrière hein, cette intention Christian Blanc, qui est toujours prégnante aujourd'hui, hein, quand on parle de l'économie métropolitaine, on a trois focalisations qui, à notre avis, ne font pas robuste. Ces trois focalisations, c'est d'une part la focalisation sur, purement économique sur les logiques de filière autour de l'économie d'excellence, l'économie mondialisée ou tournée vers l'exportation. Deuxièmement, c'est, je ne vais pas trop développer, c'est la focalisation sur le bureau, sur l'activité tertiaire, parce que je ne développe pas parce que François en a largement parlé. Et troisièmement, une focalisation dans la méthode, qui est une focalisation extrêmement classique. Hein, de ce point de vue-là, continuité absolue entre le modèle de l'ouvrier et le modèle Christian Blanc, c'est simplement les outils diffèrent, mais la méthode est la même. C'est l'action publique est une action publique facilitatrice, en amont, hein, dans une logique séquencée, où dans les années 60, on avait de la chance, on avait une procédure extrêmement puissante qui était l'agrément hein, sur les bureaux. Aujourd'hui, on a une procédure qu'on a pensée aussi puissante que l'agrément, qui est la disponibilité foncière autour des gares, mais c'est toujours la même chose. Hein, c'est-à-dire on intervient en amont de l'action privée. Et il nous semble que ce sont ces trois focalisations qui font problème. Et donc, le schéma, je dirais, de scénarisation systémique, pour reprendre hein, ce qu'a dit Pierre-Alain il y a cinq minutes, qu'on développe, c'est l'idée qu'il faut d'abord, peut-être, on revient juste en arrière quand même sur le schéma, voilà, c'est desserrer, si je peux dire, hein, cette triple focalisation. Je vais développer celle de changer de regard sur qu'est-ce que c'est que l'économie métropolitaine, élargir aux trois sphères de l'économie métropolitaine. Je ne vais pas développer, passer du bureau à l'ensemble, je dirais, de l'offre et des produits qui peuvent faire support économique. Je ne vais pas développer parce que François en a parlé et parce que Pierre-Alain va en parler. Et troisièmement, bah, du coup, sortir de cette logique, de cette posture purement facilitatrice de l'action publique en imaginant des formes d'hybridation, hein, sortir du séquençage entre l'action publique et l'action privée et imaginer de l'hybridation dans le mode de production de l'activité économique d'un point de vue spatial. Alors, deux mots très rapidement sur l'élargissement de l'approche sur l'économie. Ça renvoie à un travail qu'on conduit avec un collectif d'économistes, avec notamment Magali Talandier, sur la question de qu'est-ce que c'est que l'économie métropolitaine aujourd'hui, avec l'idée que finalement, on n'a pas aujourd'hui de représentation consolidée de ce que c'est qu'une économie métropolitaine. On a une espèce d'imposition du modèle des clusters qui est une approche purement économiste, mais pas territoriale, qui est une approche qui nous dit quoi ? Qui nous dit, enfin c'est le travers de ce qui s'est appelé la nouvelle économie géographique hein, aux États-Unis, Krugman, etc., qui nous dit simplement où est-ce que se produit et comment se produit la création de valeur aujourd'hui pour les entreprises. Et qui nous dit, ben voilà, ça se produit dans les externalités, dans les métropoles. Mais pour autant, et d'où l'application avec Christian Blanc sur les clusters, etc. Mais pour autant, personne ne nous dit qu'est-ce que c'est que l'économie métropolitaine dans sa complexité. Et donc on s'est hasardé à ça, à proposer une modélisation de ce que c'est que l'économie métropolitaine. L'économie métropolitaine, c'est trois grandes sphères qui interagissent, qui sont en effet l'économie exportatrice d'un côté, de l'autre côté, en reprenant les thèses de Laurent Davzy, l'économie plutôt présentielle, tournée, hein, diffuse, tournée vers le local,
au service hein, de domestique, on va dire. Et puis une troisième sphère qui tient ensemble l'ensemble du système, qui est l'économie qu'on appelait l'économie métropolitaine ordinaire, c'est-à-dire qui fait fonctionner, c'est le back-office métropolitain, si vous voulez. Et quand on applique ça, alors vous voyez, spatialement et puis quantitativement en Île-de-France, ce modèle-là, on se rend compte que cette économie qu'on appelle métropolitaine ordinaire, c'est à peu près 40% de l'emploi salarié privé en Île-de-France. Et du coup, ça pose des questions de régulation publique qui sont complètement nouvelles, en termes de robustesse, hein, de régulation, qui, si on raisonne dans ces termes-là. Alors, je passe hein, sur les modèles économiques, c'est-à-dire qu'on n'est plus hein, simplement sur des logiques de filières sectorielles, etc. Juste un zoom sur la question sociale. Les enjeux d'insertion, les enjeux de régulation sociale sont complètement différents. C'est-à-dire, d'un côté, on travaille sur les qualifications, sur l'économie présentielle, on va travailler plutôt sur les comportements, sur le face-à-face, etc. L'économie métropolitaine ordinaire, c'est l'économie du back-office, ça veut dire c'est l'économie de l'anonymat, de la disponibilité, de la mobilité, et de la mobilité professionnelle notamment, etc. Donc ça pose des questions de régulation qui sont aujourd'hui assez aveugles aux politiques dites de développement économique. Voilà, et donc c'est ce modèle-là hein, qu'on a essayé vas-y, de faire... Ça bloque ? Vas-y. Oui, voilà. excuse-moi. C'est ce modèle-là qu'on a essayé de faire, de mettre en prospective hein, en disant, ben voilà, comment, suivant les grands scénarios d'évolution du Grand Paris dans le monde, hein, et s'il y avait un retournement productif, et si, au contraire, j'aime bien le dire toujours comme ça parce que c'est une idée de François. Et si Leclerc devenait... Enfin, c'est le scénario Welbeck, tu sais bien. Et si l'Île-de-France devenait un super... Pas simplement Paris, hein, mais devenait un super musée attractif pour les Japonais, etc. Ben, du coup, comment l'ensemble de ce système se transforme, hein, se recompose? Et donc, où sont les leviers d'action publique par rapport à ça? Voilà. Et donc, c'est sur cette base-là, sur cette grille-là, que du coup, on a essayé de scénariser spatialement qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire en termes de régulation territoriale. Alors, je vais essayer en 3 minutes une scénarisation territoriale. Donc, ce travail, je vous invite évidemment à le consulter parce que c'est difficile de le raconter en 3 minutes. Il essaye de scénariser à partir de territoires choisis dans cette carte qui raconte la structure économique territoriale actuelle, c'est forcément, puisque c'est une carte, c'est très figé, mais ça montre peut-être 3 faisceaux qui réunissent les grandes intentions publiques, les grands projets qui se font à partir du public, les grandes dynamiques privées et ce qu'on a appelé les incertitudes de l'existant en orange, jaune, je ne sais pas comment sortent les couleurs, oui c'est ça, et ça dessine peut-être 3 dynamiques, 3 constellations comme ça, à l'intérieur desquelles on a donc essayer de travailler. Alors 2 points de méthodologie. Pourquoi méthodologie ? Parce que je pense que ce qu'on fait à l'AIGP, c'est surtout essayer de trouver des systèmes méthodologiques qui pourraient être repris, déclinés par les acteurs du territoire, les élus. Je ne crois pas qu'ils soient là, mais j'ai l'impression que c'est à eux qu'on s'adresse. Et je crois qu'il faudrait que ces méthodes-là puissent devenir des choses suffisamment claires et efficaces pour qu'on puisse les reprendre. Donc, 2 points méthodologiques. Scénariser, c'est évidemment regarder dans le temps, mais à la différence de la planification, ne pas partir du point final pour phaser, partir de maintenant et d'avancer. Donc là, ce que ces 3-4 cartes montrent, c'est notamment les événements marquants et notamment le transport ou les grandes transformations territoriales qui vont marquer. Je ne détaille pas, mais c'est un point important. Le deuxième point, c'est pour donc scénariser. Deuxième point, quel territoire ? Le territoire qui nous a intéressé, c'est, je ne sais pas si c'est lisible sur la carte de gauche, c'est sur ce qui risque de se passer dans une possible, un possible basculement, une possible rupture territoriale qui fait que, là on a pris le secteur de l'Est parisien, où vous avez à gauche, une fois que le Grand Paris Express est construit, un vrai maillage de transport en commun, qui correspond d'ailleurs à la limite que vous avez en rouge, je ne peux pas vous le montrer, mais en rouge parallèle au tireté bleu, la limite de la métropole. Et donc vous êtes à la fois à l'intérieur de la métropole, dans un intérieur métropolitain, et dans un maillage de transport en commun extrêmement efficace.
Et de l'autre côté, vous avez autre chose. Et l'autre chose, c'est sans doute quelque chose qui devient très clair quand on est au-delà, un peu plus loin, dans l'étendue régionale, et notamment peuplée de grands événements comme par exemple Euro Disney à l'Est. Et il y a cet intermédiaire qui est, lui, peuplé de systèmes économiques qui sont hérités de l'urbanisme de secteur et qui sont des grandes plaques qui fonctionnent séparément ou côte à côte, au mieux, et qui peuplent ce territoire. Et c'est donc cette population qui forme des archétypes économiques et on se demande comment est-ce qu'on peut passer des archétypes économiques aux formes urbaines de la robustesse. Mmh. Quelle forme urbaine peut prendre la robustesse économique? On forme une sorte de travail, de catalogue là-dessus et on a commencé trois épisodes de scénarisation. Je l'ai passé très très vite pour terminer. Le premier donc qui parle de Massy à Saclay, qui montre les archétypes sur la gauche, qui montre des façons dont les événements et la scénarisation va les faire évoluer, et qui montre une possible combinatoire, une économie circulaire territoriale, comme on l'a expliqué, puisqu'on parle de beaucoup d'économie circulaire, de nouvelle économie, d'économie numérique, dont tout le monde pense qu'évidemment elle va résoudre tous les problèmes, qu'elle sera vertueuse, qu'elle résoudra les problèmes climatiques. Peut-être, c'est une vision optimiste, elle pourra y contribuer, mais c'est sans doute en arrivant à faire fonctionner les territoires ensemble qu'on arrivera à rendre cette économie circulaire en termes territoriaux. Donc par exemple, à Massy-Saclay, l'idée que Saclay se développe de plus en plus dans cette spécialisation de l'excellence et de la recherche, il voulait faire des bureaux au départ, Pierre Vels nous a bien expliqué la dernière fois qu'il n'en faisait plus, qu'il ne cherchait plus à en faire. Massy fait beaucoup de bureaux, mais les bureaux ne sortent pas. Il y a beaucoup de projets de bureaux à Massy qui sont des permis de construire acceptés, mais qui ne sortent pas, évidemment. Et il y a ce territoire, cette gigantesque zone d'activité, Courtabœuf, qui forme un triangle avec les deux, qui a du mal à se renouveler et qui forme une sorte de soupape, de réserve, de zone possible de réinvention qui pourrait être un réservoir pour les expérimentations et les chercheurs de Saclay, qui pourrait trouver ce que la centralité de Massy ne permet pas d'avoir, qui pourrait aussi former une des qualités de la forme urbaine de la robustesse, c'est-à-dire un espace ouvert, un espace où il y a du foncier de grande dimension, pas forcément disponible, mais du foncier de grande dimension et de petite dimension, donc des tailles de foncier très différentes, de l'accès et de l'accessibilité un peu tout mode, de la relation à la nature, puisque c'est très important, et à l'espace ouvert, donc une capacité d'évolution très forte. Je vois que je suis trop long, donc je vous montre juste les dessins. Solution de compromis, vous comptiez nous présenter les deux autres, on s'en tiendrait à un deuxième alors. D'accord, Pierre-Alain ? Oui, pas de problème. Alors là, c'est le dessin qui commence à montrer Massy, Saclay, Courtabœuf, où on essaye de dessiner justement à Courtabœuf et à raconter comment ça peut être l'arrière-cour ou le garage de ces lieux principaux. Je vais passer sur la Défense. Mathis Guller travaille dessus, des Guilleret à la Défense, et François en a parlé aussi. Et puis je vais finir donc avec l'Est parisien, où là on a d'autres archétypes très forts, comme par exemple la Ronnie avec le commerce qu'on retrouve à Torcy, donc la massification commerciale. On a le centre d'affaires seconde zone, je dirais, donc Val-de-Fontenay, qui n'est pas le prime qu'on a à la Défense, mais le centre d'affaires secondaire, back-office, mais qui continue à se développer sur les modalités d'un centre d'affaires traditionnel, dont on peut imaginer l'obsolescence programmée à court terme. On a Mondest, qui est une vraie question, qui là aussi commence déjà depuis longtemps à réfléchir à sa transformation et va se transformer sans le Grand Paris Express. Et donc l'idée que, par exemple, et je vais finir tout de suite avec cette image-là qui est peut-être plus parlante,
L'idée que ces archétypes peuvent rejouer des rôles différents, recomposer leur relation et leur rôle. Ronnie et Torcy, par exemple, évidemment, jouant la carte de la démassification commerciale, Ronnie peut être en lien avec Val de Fontenay devant par accentuation des liens qu'il y a avec son territoire alentour, essayer de sortir de l'impasse ou de l'ornière du centre d'affaires secondaire qui se profile. Et Modeste, par exemple, qui voit sans doute une possibilité de se tourner vers le résidentiel plus complètement, parce que là aussi, le quartier d'affaires Modeste devient quelque chose d'assez peu imaginable. Le métro n'y arrivera pas. Le nouveau métro, il y a certes le RER, mais donc essayer d'imaginer comment Modeste peut servir à ces différents protagonistes alentours en se réorientant vers une mixité et une centralité un peu plus classique. Et enfin, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est toute cette zone autour de Torcy ou de l'aérodrome de Logne, etc., toutes ces grandes zones d'activité qui, encore une fois, en lien avec les grands espaces ouverts et la taille du foncier particulier, peut jouer le rôle d'une transformation économique et d'un lien nouveau, d'une interaction nouvelle avec les autres territoires. Merci. Alors, ne soyez pas frustrés de ne pas avoir exposé l'exemple de la Défense. Hein. On avait déjà deux belles illustrations de la manière dont on traduit sur le territoire comment cette notion d'économie urbaine. Je serais tenté de vous dire merci à tous les quatre, parce qu'on a apprécié la capacité que vous avez eue à travailler de manière trans-équipe. Et puis, avant de passer à la troisième équipe, j'ai envie de dire que là, on a peut-être une illustration de la valeur ajoutée de l'atelier, qui est capable de produire une autre vision de l'économie territoriale, en prenant le risque de s'associer, de faire travailler des élus urbanistes, des architectes qu'on n'attend pas forcément sur ces terrains-là, etc. Donc ça, c'est ma petite réflexion en passant. Merci donc à tous les quatre. On poursuit avec vous. Non, vous restez là, François. Et voilà. L'équipe. Les urbanistes associés. Voilà, parfaitement. Bon, alors tiens, on est reparti. Bon, oui, le travail que je vais vous présenter a été fait donc, sous la direction de Marie Evaud, avec son équipe qui est dans la salle, et avec Alain Bourdin. Alors, ce travail repose sur deux idées. La première, c'est que la mobilité représente, comme vous le voyez sur ce graphique, un tiers des gaz à effet de serre en ville. Vous avez en haut un lotissement quelconque, en bas un écoquartier. Vous voyez qu'on a beaucoup réduit les consommations de chauffage, etc., mais qu'on a très peu touché au vert, c'est-à-dire à la mobilité, et au bleu, à l'énergie grise. Donc c'est ça les principaux axes d'économie qu'il faut faire. La deuxième idée porte sur la question des centralités et des proximités. Alors, il y a une grille d'analyse théorique, je ne vais pas développer là maintenant. On distingue méthodologiquement trois échelles de proximité, celle à 10 minutes qui est universellement reconnue pratiquement, ensuite celle du bassin d'emploi ou d'une ville, et puis enfin celle de la mégapole qui a plusieurs bassins d'emploi. Et ce qui change à chaque fois, c'est les vitesses de déplacement et c'est les modes de déplacement. Et donc on prend soin de ne pas dire une mobilité, mais des mobilités correspondant à des échelles de proximité. Donc l'enjeu ici, c'est de travailler sur la centralité dans la périphérie, c'est-à-dire au-delà de la métropole, en l'occurrence sur les territoires de Sénart et d'Évry, dont vous savez qu'ils devraient être réunis en une grande intercommunalité, pour, d'une part, poser la question des centres et, d'autre part, réduire les déplacements locaux. Pourquoi s'attacher précisément aux déplacements locaux ? C'est qu'on sait, on a montré, c'est bien connu, que les déplacements à longue distance en Île-de-France se font beaucoup plus en transport en commun et que donc les marges de réduction considérables qui existent sur les déplacements motorisés individuels sont précisément dans
disons, les deux premières échelles de proximité, c'est-à-dire à 10 minutes, et puis dans le bassin d'emploi. Alors, d'autre part, on a montré, voilà, on a montré qu'il n'existe pas à Paris, dans, en région parisienne, d'autres véritables centres métropolitains que Paris. Ensuite, on a des centres communaux. On n'a pas de centre d'échelle intermédiaire. Alors ça on l'a largement démontré, on va le revoir à nouveau. Quand on utilise notre étude sur les déplacements domicile-travail que vous voyez ici, on voit deux zones intenses, hein, celle d'Evry, celle de Sénart, et puis une troisième qui est Melun, donc qui est fortement liée à Sénart, et puis de l'autre côté d'Evry, le Val d'Orge. Donc c'est cette géographie de déplacement un peu complexe qui va être probablement modifié par la nouvelle intercommunalité et la métropole, enfin, et la métropolisation, dans la mesure où il va s'établir de nouveaux liens entre ces territoires. Alors, bon, je passe rapidement, mais tout ça représente une grande diversité de tissus urbains qu'on a analysés, qu'on a juste représentés ici à titre d'échantillon. Et puis ensuite, on a regardé ce qui, au-delà des déplacements domicile-travail, faisait centralité, c'est-à-dire quelle offre du territoire en matière de commerce, d'études, de sociabilité, de sorties le soir, etc. Et on a utilisé l'enquête globale transport qui nous montre que le bassin de vie, la zone intense d'Evry fait centre pour ses propres habitants, moins pour ceux des communes avoisinantes que vous voyez ici. On retrouve ce même problème avec toutes ces communes un peu plus lointaines, Corbeil-Essonnes, Ris, qui ont leur propre centralité. Et puis, enfin, leur propre centralité, leurs propres éléments de centralité, je vais revenir là-dessus, c'est un peu la même chose à Sénart, encore que Sénart est une ville moins dense et surtout qui n'a pas aujourd'hui un centre-ville construit, planifié, comme ça a été le cas à Évry. Voilà, bon, je passe assez rapidement là-dessus. Voilà les éléments qui composent ces territoires. Pourquoi lier cette question donc des émissions de CO2 et cette question de la centralité? Eh bien, tout simplement, c'est que l'objectif, ce n'est pas de construire des centralités ou des centres concurrent de Paris, on pense que ça serait tout à fait utopique. En revanche, l'objectif, c'est d'offrir à tous les habitants de la métropole ou tous les habitants de l'Île-de-France des services en quantité équitable, en accessibilité équitable. Ça veut dire mettre en réseau, c'est une hypothèse que nous faisons, l'ensemble des aménités qui sont dispersées dans un territoire pour compenser le fait qu'elles ne sont pas rassemblées dans un même lieu, comme c'est le cas dans un centre ancien. Et cette mise en réseau doit s'accompagner d'une politique de transport en commun, de proximité, qui va permettre à ses habitants d'utiliser moins, et même voire beaucoup moins, leur voiture pour accéder à ces diverses aménités. Donc là, on pose globalement la question de la réduction des mobilités contraintes et la question des centres. Alors, je passe la parole tout de suite à Alain qui va en parler. Je laisse faire. Ce que je pourrais dire peut tenir en quelques phrases. Le problème est lié à l'évolution des modes de vie et à l'évolution des modes de consommation. Et à travers un certain nombre d'études qu'on a menées, nous, depuis 3 ans, et ce que l'on trouve dans des travaux de recherche très récents, on met en évidence un point qui n'est pas sans importance. Traditionnellement, les gens qui travaillent sur les modes de vie partent de l'idée qu'un mode de vie, ça se structure en fonction de l'âge, en fonction de la profession, du niveau de revenu, de facteurs qui sont des facteurs relativement forts et assez mesurables. Et puis que y a un résidu, mais que ce qui est important, c'est ces grands éléments structurants, et le résidu, c'est l'individualité, etc., mais ça ne change pas grand-chose. Or, ce qu'on montre, c'est que c'est plus vraiment vrai,
et que ça le sera probablement de moins en moins. C'est-à-dire que de plus en plus, on aura des comportements diversifiés et donc une géographie complexe. Une géographie de plus en plus complexe des modes de vie et en particulier de la proximité. Et c'est ce que montrent les différentes slides qu'on va montrer maintenant. Là, c'est un cas d'une personne de 45 ans qui a un univers de vie assez restreint. Et donc, on voit que sa proximité, c'est ce que vous voyez dans le haut là, tu tournes. Ça, c'est ce qui correspond à l'espace de vie, non plus de la proximité, mais de la consommation un peu générale, habituelle, celle avec quoi on fait tous les achats, on fait les consommations culturelles habituelles, etc., etc., quoi, ce qui est le centre du mode de vie. Et puis la troisième carte montre les endroits où on va de façon très exceptionnelle parce qu'on y est très attiré. Là, vous avez une géographie qui est une géographie très rassemblée. Alors, ce qui présente un certain nombre d'avantages et peut-être aussi d'inconvénients, mais on verra sur le cas suivant qu'on trouve des choses assez différentes. Non, il n'y a pas de cas suivant. D'accord. Bon, alors, il n'y a pas de cas suivant. Ce n'est pas grave. Ça nous montre simplement un autre point. Ces cartes-là nous montrent un autre point. Bon, ce qu'on vient de montrer montrait que ça peut être rassemblé. C'est dommage qu'on n'ait pas mis l'exemple de ceux qui ont un territoire très dispersé. C'est ça la petite erreur qu'on a faite. Et deuxièmement, on montre que, et ça c'est très important ces deux cartes, qu'un facteur dont on croyait l'importance essentielle, c'est-à-dire la différenciation sociale entre les lieux des pratiques de la vie quotidienne, fonctionne pas bien. Et que là, vous voyez deux cartes, elles sont différentes, on peut trouver les différences, mais entre les lieux de pratique des classes populaires et les lieux des catégories aisées, les différences sont pas énormes, et donc on a des recouvrements qui sont intéressants à utiliser précisément, qui sont des choses à gérer et sur lesquelles on voulait insister. Il y a toujours de la différenciation sociale, elle ne cesse pas d'exister, mais elle ne fonctionne plus comme elle fonctionnait et donc on peut jouer autrement avec les problèmes de différenciation sociale. Enfin, ce qu'on montre là, c'est ce que j'ai dit au début, donc on va passer très vite, c'est que les comportements sont de plus en plus différenciés. Alors ce qu'il faudrait expliquer, c'est que d'une part, il y a des différenciations qui renvoient aux grands critères dont je parlais tout à l'heure, mais à l'intérieur de chaque catégorie de consommateurs, il y a des différenciations assez fortes. Ne croyons pas que tous les pauvres consomment comme les autres pauvres, par exemple. On le sait pour les riches, mais c'est tout à fait vrai pour les pauvres. Il y a des différenciations de consommation, ce qui fait que le problème de la centralité ne se pose plus en termes aussi naturels qu'il se posait précédemment. Oui, alors Alain a oublié de dire que c'est les résultats, enfin une toute petite partie des résultats d'une enquête qui est menée actuellement sous sa direction sur ces territoires. Et là, vous avez justement deux exemples de territoires dispersés et de territoires plus concentrés. Il s'agit d'une dame très âgée qui se déplace évidemment moins en bas. Voilà. Alors ensuite, on a fait un travail de bénédictin qui a consisté à repérer sur tout le territoire les principaux éléments de ces centralités dispersées ou de ces aménités. Alors ici, on n'en donne que deux exemples. Hein. Le premier, c'est les pharmacies. Alors c'est très intéressant, les pharmacies, parce que vous voyez que pratiquement, donc vous avez Évry à gauche, Melun, Sénart à droite et puis Melun en bas. Ce qui est très intéressant, c'est que les pharmacies couvrent quasiment totalement le tissu urbanisé avec des rayons à 10 minutes. Alors, le rayon à 10 minutes, c'est un cercle de 750 mètres de diamètre qui correspond à environ 950 mètres de marche à pied assez rapide. Voilà. Et il est entièrement couvert, parfois évidemment avec des redondances dans les centres, hein, là où il y a plus de monde. Pourquoi est-il couvert et pourquoi les pharmacies sont donc tellement bien implantées, hein, du point de vue de la proximité? C'est que c'est une profession réglementée en ce qui concerne son implantation. Donc, suggestion, si on faisait la même chose pour les supérettes, parce qu'on voit que c'est beaucoup moins bien réparti et qu'il y a même franchement des territoires qui ne sont pas du tout desservis, en général des territoires d'urbanisation assez récente ou bien dont les commerces ont disparu, etc. Voilà, donc c'est un travail en cours, assez long, assez compliqué, avec des vérifications sur le terrain, donc ce n'est pas complètement fini, mais on voit une certaine inégalité, justement. Et puis, on a marqué là un certain nombre de lieux qui sont justement très dépourvus.
Alors, qu'est-ce qui fait centre au-delà de la proximité immédiate ? Alors, là encore, on a repéré sur cette carte qui est un peu difficilement lisible, à la fois avec ce système de quadrillage avec des intensités de couleurs différentes, mais qui sont là encore un peu difficiles à lire, d'une part la densité de population, et puis d'autre part, toute une série d'espaces qui sont des lieux existants ou en développement, des lieux de centralité à plus grande échelle. Alors c'est le cas par exemple du Carré Sénart, ici à droite, c'est le cas aussi évidemment du centre d'Evry, en haut à gauche, et puis demain, ça sera le cas également, par exemple, du Grand Stade, hein, du Grand Stade de rugby, qui est dans la station. Pardon, excusez-moi, là je suis toujours sur l'existant, donc le centre-ville d'Evry, vous voyez, le Carré Sénart, Parc des Tuileries, le Génopôle, qui est d'une certaine façon un élément de centralité, même si c'est plutôt une sorte de cluster technologique. Des commerces, des grands commerces, etc. Et puis, ensuite, des lieux de développement comme le Carré Sénart, l'Écopôle et puis le Grand Stade de rugby. Donc, en fait, les éléments de centralité. Voilà, une minute, j'ai presque fini. Les éléments de centralité, vous voyez, sont très mouvants, ils sont très répartis dans le territoire, ils forment des espèces de nébuleuses, ils sont très inégaux les uns par rapport aux autres, ils ne sont jamais rassemblés en un seul point, donc on n'est pas du tout dans les circonstances de la centralité classique. Et la question, c'est comment relier tout ça, comment améliorer l'accessibilité de tout ça. Alors, on a fait une étude, là encore, de Bénédictin sur l'ensemble des lignes de transport, et on s'aperçoit que ce territoire est déjà remarquablement bien desservi en transport en commun. C'est le cas d'Evry, notamment, qui dispose d'un réseau de bus en site propre depuis sa création, hein, en haut à gauche. Et puis, il y a effectivement les deux RER, et trois même, on peut dire, et puis des TZN qui commencent à mailler sérieusement le territoire. Deux minutes, j'ai presque fini. Et donc, on n'est pas du tout au point zéro. Hein. Simplement, on pense que ce système existant pourrait être amélioré en ce qui concerne son efficacité et parfois son tracé, les tracés étendus à toutes sortes de péripéties politiques, comme vous le savez. Alors, là, on a représenté les lignes, disons, de désir, ou plus exactement, on a représenté l'épaisseur des traits des transports que vous voyez ici, notamment, par exemple, les RER sur la rive gauche, est proportionnelle à la fréquence multipliée par la vitesse, ce qui donne l'attractivité du transport. Et donc, évidemment, la hiérarchie change considérablement. Et vous voyez en pointillé les nouveaux TZN 4, 2... et puis le tramway ou le TCSP entre Massy et Évry. Et puis, peut-être je repasse vite la parole. Hein, non, on passe. Oui. Je vais dire en un mot, on a commencé un travail extrêmement intéressant, sur la prospective des centralités et la suite du travail. On ne peut pas le présenter maintenant parce que ça demanderait trop de temps, mais la suite du travail, c'est de mettre en regard une vision plus à court terme et une vision plus à long terme sur l'évolution des centralités. Non, c'est passionnant. Et alors, Christian de Villers, je suis désolé. Et j'aimerais quand même qu'on poser une question juste, et peut-être que Marie-Evo peut y répondre. Et c'est de savoir si, au fond, ce que vous nous apportez peut abonder et étaye les hypothèses de ces deux autres équipes que nous avons entendues. Christian de Villers. Ah, vous ne savez pas, d'accord. Marie-Evo ? Sylvain, je pense qu'il est important que Christian termine parce que c'est la fin de notre démonstration qui est de travailler ensemble les centralités, les mobilités, et je crois que c'est notre cheval de bataille. Je crois que si on parle de méthode que l'on met en place à la IGP pour travailler sur les territoires démonstrateurs, cette slide est très importante. On va bien évidemment entendre Christian de Villers, mais on est d'accord qu'il y avait des consignes à respecter. Hein, d'accord. Christian, on vous écoute. Bon, ceci est une proposition de hiérarchisation de TC rapide avec l'hypothèse de n'avoir qu'un seul changement, hein, d'une part, dont je ne rentre pas dans le détail, et la prochaine fois, on vous montrera à quelle économie de CO2 ça correspond à partir d'un certain nombre d'hypothèses, et je précise que ce travail n'a été fait qu'avec le financement de l'atelier du Grand Paris. Ce n'est pas du recyclage, premièrement, et deuxièmement, que comme on n'a plus d'argent, on est ouvert au mécénat. Très bien.
Est-ce que néanmoins, vous pourriez-vous répondre à la question que j'ai posée ? Dans quelle mesure le travail de Christian de Villers, d'Alain Bourdin, de leur équipe, de Marie-Evo, peut étayer votre hypothèse d'une économie robuste ? Je réponds comme... Micro. Alors... Idem. On n'a pas très, très bien vu, pour tout dire, parce que les écrans sont épouvantables. Donc, D'accord. C'est difficile de répondre comme ça. D'accord.